Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Forza Street qui vient de sortir sur iOS et sur Android. Donc c'est un jeu de voiture, hein. Ça vous vous en doutez hein, déjà, qui est très connu en fait sur la Xbox. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est assez simple, il suffit juste de rouler. Les auteurs ont fait en fait un jeu où la seule chose qu'on doit faire c'est freiner, accélérer, puis utiliser aussi le speed. Hein, vous pouvez voir, donc là, il fallait prendre à mon départ, je l'ai fait. Hop, attention, à gauche, regardez le speed, et j'appuie dessus. Dans la voiture. Et là, j'ai freiné, le freinage, dès que c'est jaune, et je réaccélère en fait à la fin du virage. Il n'y a pas grand chose à faire, par contre, les graphismes sont. Moi, j'aime bien. Hein. Il n'y a rien à faire en fait. Bon, c'est un jeu, comme je dis, pour téléphone portable, c'est des belles voitures, des beaux décors. Ou facilement avec ce type de jeu. Par contre, il n'y a pas grand chose à faire. Bien entendu, au niveau des voitures, c'est des voitures top de chez top. Des voitures qu'on ne peut pas se payer tous les jours. Peut-être même jamais, je dirais. Voilà. Bon, y a un... C'est gratuit, hein, donc ça, c'est pas mal. Il y a un mode histoire, bien entendu. Hein. Le but, c'est que vous soyez accroché tout le temps à ce jeu. Donc, on peut aussi connecter son compte Xbox. Hein. Ceux qui en ont un. D'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les joueurs, en fait, qui vont se connecter entre le 5 mai, donc aujourd'hui, et le 5 juin, pourront débloquer en fait la Ford GT 2017 hein, et recevront aussi de la monnaie dans le jeu supplémentaire en cadeau. Donc ça, c'est le but, hein, c'est de vous accrocher. Donc là, c'est sur un iPhone 10, c'est fluide, j'ai rien à dire. Par contre, si vous avez de l'Android, ça dépendra en fait de votre config. Hein. Si vous avez un vieil Android, là je suis pas sûr que ça sera super fluide. Hein. Donc au fur et à mesure en fait, on va gagner de l'argent virtuel, hein, bien entendu, et on va débloquer des nouvelles voitures. J'ai vu en fait la caméra, en fait c'est pas moi qui décide, hein. C'est même pas moi, je vais pas faire gauche droite, hein. C'est vraiment tout est déjà précalculé. J'ai juste à accélérer et à décélérer et à lancer le boost. Hein. Mais tout. Déjà précalculé, donc voilà, je fais vraiment pas grand chose. Hein. S'il y a le mode aventure là que je vous montre, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais next, next, next pour aller assez vite. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, au départ, regardez, j'avais la jauge dans le jaune, vert ou rouge, et le but c'est de le mettre dans le vert hein, pour avoir un beau démarrage. Encore une fois, c'est pas le jeu culte. Par contre, c'est un jeu assez plaisant. Par contre, il prend plus d'un giga hein, sur le disque, on va sur iOS. Donc, vous avez intérêt d'avoir assez de place. Les développeurs ont vraiment tout compris là-dessus. Hein, je vous fous des belles bagnoles et amusez-vous sans réfléchir. Donc, voilà. Là, par exemple, là, je suis derrière. Le but, ça va être de gagner. Est-ce que je vais gagner à votre avis? Yes, oui, non, oui, oui, oui. Et à votre avis? Je dirais que oui, et hop, un petit boost, et je double tout le monde, et je gagne. Voilà, le jeu est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger, s'il vous plaît pas, vous le désinstallez. Et moi je vous dis donc à la prochaine, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et voilà!